L'avenue Danforth à Toronto porte encore les marques de la fusillade de juillet 2018, qui a fait 2 morts et 13 blessés. C'est ici qu'est morte l'amie de North Sammy. La métropole canadienne est frappée depuis plusieurs mois par une hausse de la violence par arme à feu. Pour répondre à la crise, Justin Trudeau promet une série de mesures. On va bannir les armes d'assaut et travailler avec les provinces pour permettre aux municipalités de restreindre les armes de poing. Les libéraux s'engagent à mettre sur pied un programme de rachat pour les propriétaires d'armes militaires. Justin Trudeau promet aussi de ne pas créer un nouveau registre des armes à feu. Il y a des politiciens conservateurs qui veulent affaiblir le contrôle des armes à feu. Les libéraux, nous, on veut resserrer le contrôle des armes à feu. Le chef conservateur croit qu'interdire certains types d'armes ne réglera pas le problème. Nous écoutons les experts que c'est mieux d'utiliser les ressources policières à lutter contre les gangs de route et les armes à feu illégaux. Pour sa part, le chef du NPD partage la position libérale, mais il accuse Justin Trudeau de s'être traîné les pieds. C'est quelque chose que j'ai exigé le gouvernement fédéral, M. Trudeau, de faire il y a plus d'un an. Parce qu'il faut donner ce pouvoir aux municipalités qui le veulent. Le maire de Toronto, John Tory, rappelle que les villes voulaient pouvoir interdire les armes de poing. Je crois qu'une interdiction nationale serait mieux, mais c'est une passe en avant. Le groupe Police se souvient salue l'interdiction des armes d'assaut, mais déplore que les armes de poing seront encore disponibles dans certaines villes, contrairement à ce que les libéraux avaient promis en 2015. Mais au niveau des armes de poing, c'est assez décevant. C'est pas une bonne idée de transférer le fardeau de ce combat, parce que c'est un combat aux municipalités. Guy Morin, du collectif Tous contre un registre québécois des armes à feu, n'est pas du tout d'accord. On s'attaque directement aux tireurs sportifs. C'est près d'1 million de propriétaires d'armes à feu au Canada qui font du tir sportif, qui font du tir à la cible. Avec cette promesse, les libéraux espéraient recadrer leur message et tourner la page sur la controverse du blackface. Mais Justin Trudeau s'est fait interpeller dans les rues de Toronto par des passants et a encore dû répondre à plusieurs questions sur le sujet. Ici Philippe-Vincent Foisy, Radio-Canada, Toronto.